Et on se lève. Bienvenue, bienvenue au monde Timberwolf. Donc, la dernière fois, c'était donc le premier épisode, en fait, du monde Timberwolf. Ça s'est plus ou moins bien passé, on va essayer de faire une sorte de petit résumé. Donc, on est allé au monde Timberwolf. C'était potable, l'arrivée, elle était assez potable. Par contre, on a dû faire de l'eau et tout ça, donc on a fait de l'eau. On a fait de l'eau un peu, c'était un peu chiant. C'est vraiment le seul problème qu'on a, c'est faire de l'eau, parce qu'on a juste... une conserve, donc c'est un peu embêtant. Une conserve qui est là, avec de l'eau potable dedans. Ah, très bien. Mais on en a fait. On a aussi une petite réserve de bois, tranquille. Donc on s'est réveillé. On va peut-être dormir encore un peu pendant que je parle. Ouais, parce qu'elle était vraiment très fatiguée en fait la dernière fois. Donc là on peut encore dormir. On va faire 5 heures. Vu qu'il fait froid en plus. Enfin, il fait un blizzard. Après, alors, on a eu beaucoup d'actions. On a eu beaucoup d'actions pour notre premier épisode. C'est-à-dire qu'on a combattu genre deux loups, on a combattu des lapins et on a combattu un ours. Mais pas un ours simple, un ours complètement fou qui était sous crack et qui a commencé à nous tourner autour à la vitesse de la lumière. C'était très intéressant, ça faisait très peur aussi. Voilà, c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Donc maintenant, on a fait un peu notre réserve, donc on a une fourrure d'ours qui est en train de sécher, on a des lapins qui sont en train de sécher, 3 lapins. Pour de l'eau, bon, on s'en fout un peu. On a quelques boyaux, comme j'avais dit, on a du bois de côté, on a de l'autre côté maintenant. On va faire ça. Et nous avons des réserves de la nourriture et tout ça, donc ça se passe plutôt bien, j'ai envie de dire. Donc on va essayer un peu d'avancer. Alors, je suis pas complètement sûr si on va avancer, genre, complètement vers le chemin qu'on doit prendre pour monter. Parce qu'en gros, enfin, je peux pas vraiment trop vous montrer la zone, parce que ça, c'est la zone du début où c'est qu'il y avait notre ours. Nous, on est plutôt là, en gros, sur la map. Là, il y a le lac. Et en gros, nous, on doit aller plus ou moins au centre de la map, plus ou moins, pour aller... à l'avion, c'est notre but en fait, c'est vraiment l'avion. Mais le problème c'est que pour faire ça, on doit faire tout un détour en fait. Donc on doit faire tout le tour de la map et tout ça, donc ça va prendre du temps. Donc je sais pas si on va le faire maintenant directement ou alors on va juste un peu s'avancer. Ça va vraiment dépendre du temps. Et j'avais dit aussi que je voulais aller récupérer d'abord des plus de viande. Parce qu'on a que ça pour le moment, mais je voudrais avoir en fait des morceaux de steak d'ours. Comme ça on aurait des 1125 en fait, pour 1 kilo. Donc c'est ce que je veux faire. Donc on va essayer de faire ça. Mais après... après, bah, c'est tout. C'est à peu près tout. Voilà. j'ai fait mon résumé. Maintenant, on fait quoi? Bah, vu qu'il fait encore un temps pourri, on va peut-être voir regarder pour... un peu faire comme la dernière fois. Genre récupérer des petits morceaux de bois, s'il y en a qui sont déjà tombés. Mais ouais, on va devoir attendre, hein, on va devoir attendre. Mais ouais, je pense qu'on va déjà aller récupérer des morceaux, des steaks d'ours. Je crois. Et on va passer une journée encore ici. Alors je sais pas si on va passer tout l'épisode ici, j'espère pas. Mais ouais, on va y aller doucement. Très bien. Pas assez fatigué. Est-ce qu'on aurait quelque chose à lire? Je crois pas qu'on puisse lire. Hein. On n'a pas de livre intéressant. Je crois que les livres qu'on pouvait lire, on les a laissés pour monter la corde en fait. Là on a un livre de cuisine, mais on peut pas le lire. Donc ouais. On va dormir une heure pour récupérer le morceau de vie qui nous manque, parce que j'ai vu qu'il manquait un peu de vie. Ok, le temps a l'air d'être bien. J'espère qu'il va pas faire froid et qu'on puisse récupérer la viande genre sans faire de feu. Ce serait vraiment bien. Moins 15. Ouais, non, on va être obligé de faire du feu. Bon, c'est pas très grave, mais... Non, ça me laisse.
On en a combien? 11. 11, c'est très bien. 31 kilos. Alors attendez. Il nous faut une hache, non, pour couper le cadavre, je crois. Ok. Alors, on va voir ce qu'on fait. La dernière fois, j'avais dit, où on prend des morceaux de viande et on les fait cuire pendant qu'on récupère les morceaux de viande et on continue. Vous savez, on fait un feu juste à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, on le coupe en sacs et on prend les sacs et on l'amène à la maison. Je crois que ça va dépendre du temps. Il fait pas très très froid. Hein. Pas extrêmement froid. Alors, on pourrait se déplacer. Mais bon, comme j'ai dit, je préfère assurer mes arrières. Donc on va aller prendre des steaks, comme j'ai dit. Sinon, ça va être la merde. Ouais, je pense qu'on va le découper en sacs parce que du coup, on pourra prendre aussi des boyaux. Je crois que c'est une bonne idée. Oh mon dieu, prends. Il y a plein de bois partout. Je crois que le coup du sac, ça va être un peu plus... Comment dire? Ah, il y a du vent. Maintenant. Un peu plus safe aussi, parce qu'on n'arrivera jamais à couper assez de steak, j'ai l'impression. Parce qu'il fait quand même froid, c'est un peu relou. Oh non, me dis pas... Non, non, non... En plus, il est tellement mal placé, l'ours. Il est tellement mal placé. Il est en pente et il est tout découvert, donc il ne peut pas vraiment se protéger du vent. J'ai toujours pas dessiné l'endroit où on vit. Hein. Toujours pas fait. Ça, il faut qu'on le fasse absolument. Peut-être que le feu est protégé là. Pas complètement sûr. Là on est bon. Ouais non, on va le couper en sac. Parce que là on peut pas jouer comme ça. Avec le vent et tout, c'est relou. Je crois qu'il nous faut 2 heures pour le découper ou 1 heure. Non, ben non. Un peu. 2 heures, putain, 2 heures quand même. Ouais non, c'est peut-être pas vraiment très utile. On va mettre tous les bâtons parce que il fait froid. Deux steaks au couteau et après on le fait à la main. Allez, prends. Non. Ça c'est embêtant. J'avoue que c'est embêtant quand même. Le découpage ne baisse jamais. Le découpage ne baisse jamais. Alors que là, si on a dépeçage genre niveau 5... C'est quand même beaucoup mieux de faire ça manuellement que de découper en fait. Donc ça c'est un problème, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire que c'est quand même un petit problème. Ils auraient dû adapter au moins. À la limite, le descendre à 1 heure quand on est au niveau 5. Parce que du coup en fait c'est vraiment plus intéressant en fait de le faire. C'est vraiment pas intéressant du tout. Après, j'avoue, oui, on a toujours le fixe que, ouais, on est des sacs et on peut les transporter. Mais comme j'ai dit, les sacs, c'est deux fois le...
deux fois le poids en fait normal. Donc si par exemple vous avez 5 kg de viande, bah le sac il va faire 10 kg directement. Donc c'est même pas, vous pouvez même pas transporter énormément de sacs à la fois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais pas, je pense que niveau balance, il faudrait réduire ces 2 heures. En tout cas pour moi, je le pense comme ça. Je pense sévèrement que une fois qu'on est au niveau 5 pour les carcasses et tout ça, il faut réduire ce chiffre. Alors après, c'est vrai que je parle seulement de la viande. Après, c'est vrai que pour par exemple les boyaux, c'est long. Genre si on en prend 10, là, il faudrait 4 heures. À la limite, c'est utile pour les boyaux. Ah ouais, au final, non, c'est pas mal. J'ai envie de dire, au final, c'est pas si mal que ça. Parce que c'est vrai que le coût des boyaux, ça vaut le coup. Ça vaut complètement le coup. Parce que ça fait boyaux et la peau en même temps. Ah, c'est peut-être pas si mal que ça au final, je sais pas. Peut-être pas si mal que ça. Ah là 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 là. On va prendre 2-3 boyaux aussi. Ouais, j'ai rien dit, au final c'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que je pensais pas trop au coût des boyaux, mais le coût des boyaux c'est quand même intéressant. Ça fait 10 boyaux d'un coup et la peau en 2 heures. Après la viande, bon elle est dans les sacs, c'est vraiment le problème des sacs en fait de la viande. Voilà, c'est bien. On a ça, hop, hop, très bien. On va prendre 2 boyaux. Encore 2 heures. 2 boyaux encore? Enfin encore peut-être un boyau. Je prends des boyaux, c'est parce qu'on va refaire quand même nos vêtements et tout ça le temps qu'on fasse le tour de la région. Donc je me dis pourquoi pas voilà quoi. Prendre un boyau, 2 boyaux. Est-ce qu'on va en avoir besoin? Très bien, très bien. Heure 22. Okay, on va prendre encore un boyau. Je crois qu'on est bon. On n'a pas vraiment besoin de faire autre chose après. Une minute. Et on va rentrer. Ok. Pas mal. Euh, 52 minutes encore. Ah non, c'est pas... Hop. Oh bah on prend le reste de la nourriture hein. Ça. Très bien, au potable. Ah, très bien. Oh bah là du coup on a en réserve quoi. Donc, par contre on pourra pas faire cuire le reste. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va chercher du bois ou pas? 40 minutes. Ah merde. Il nous faut une brindille au moins. Comme ça on finit le steak. Il nous faut au moins une brindille. Ah il fait pas froid en plus. On pourrait aller explorer. Mais ça aussi à prendre. Oh, on a failli s'empaler. S'il y avait un système comme quoi on pouvait s'empaler sur le décor, là c'était mort. Hein. Là on s'empalait directement dans le torse. C'est la fin. Ouais, juste un petit truc. Ah, on pourrait faire un peu le tour de la zone et... Genre dessiner le tour de la zone. Ah ouais, on pourrait faire ça. Avant... Ah ouais, mais il va faire nuit. Enfin, avant qu'il fasse complètement nuit, on peut faire ça. Comme ça, on dessine un peu la zone. Ça peut être pas mal, ça.
Non, par contre, on va être lourd. Je pense qu'on va être un tout petit peu lourd. 36 minutes, 26 minutes, très bien. Ah oui, merde, j'ai pas regardé. À 21 minutes. I wonder if I can drop any of this gear. Il reste ça. Ça marche. Ok, on rentre. J'ai pas envie de manger l'ours directement. Donc on va voir si on peut tenir le temps de rentrer. J'ai envie de me... Est-ce qu'on prend le reste de la nourriture ou pas? Est-ce que ça vaudrait le coup? Parce que là on a quoi? On a combien? 5, 10... Et la viande elle est bientôt avariée. Ouais, ça va. On a plus de 10 000 calories. Par contre, je pourrais bien dessiner genre ce côté là. Genre on va se mettre sur la, le rocher là si on peut. Non, on va... Ah, ça m'embête ça. Hein. D'hésiter en fait comme ça, de prendre le reste ou pas. Non, c'est bon. J'ai dit qu'on ne faisait pas. J'ai dit qu'on prenait genre 5 steaks maximum. On en a pris plus. Okay, on va se mettre comme ça. Est-ce qu'il fait trop nuit ou pas? Ça passe. Ça passe très bien. Y a pas de... Y a pas de cheval ici. C'est marrant parce que je suis en train de me dire, elle dit qu'elle pourrait manger un cheval. Est-ce que c'est une expression ou est-ce qu'ils mangent des le cheval au Canada? Parce que, si je dis pas de bêtises, en Amérique, ils mangent pas de cheval. En France, oui. En France, on mange du bœuf, du cheval, lapin, tout ça. En Amérique, mange pas de cheval. C'est pas considéré comme un bœuf ou tout ça. C'est pour ça que c'est toujours de la viande de bœuf, quoi, McDonald's et tout. Après, je pense que peut-être on peut trouver des steaks de cheval, genre, je sais pas, si vous allez à New York ou des villes comme ça. Mais c'est pas dans leur quotidien de manger du cheval. Ok, parfait. Tu veux me dire que tu n'as pas dessiné la cabane? C'est fait exprès ou... Alors... On va le mettre là. Tac, tac. Ah non. Tu m'embêtes de faire comme ça. On va le mettre là. Tac, 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 tac. Ok. Parce que je savais pas quand elle allait mettre la viande en fait par terre. Donc ça c'est à cuire. Après là on a... Ok. Ça c'est tout de l'ours. On va prendre ça. 3, très bien. Manger vite avant qu'on perde le bonus, parce que ça sera un peu chiant. Qu'on boive aussi. Il y a plein de trucs à faire en même temps. Après, le Canada, c'est pas l'Amérique, hein, je sais, mais je sais pas si... Bah, ils sont frontaliers, donc peut-être qu'ils ont les mêmes coutumes. Enfin, pas les mêmes coutumes, mais les mêmes habitudes alimentaires. Enfin bref. Très bien. Très très bien. On est full vie. On a plein de nourriture de côté, on a de l'autre côté. On a bien récupéré le... Ok, la conserve, très bien. On a plein de viande, on a ça à faire cuire, mais ça, honnêtement, c'est pas grave. On va prendre ça. Alors, je dirais...
On pourrait aller se balader, mais ça servira à quoi de se balader? Parce qu'elle est pas complètement fatiguée. À la limite, on pourrait se balader genre en sprint. Vous voyez ce que je veux dire? L'histoire de la fatiguer. Mais pour aller voir quoi? C'est ça la question. Pour aller voir quoi en fait? Ah, très bien. On va regarder un peu la map. Donc tu m'as pas mis la cabane sur la map. Lac de cristal. Ouais, non, on est là, non? Ah tiens, on va la dé... Ah oui, non, elle va pas vouloir... stockage. Interne, 64. Oui, attends. Et à l'extérieur, tu vas me dire qu'il fait trop nuit, c'est ça? Oui, non, si je le fais maintenant... Ouais, non, on va pas le faire, ça me servira à rien. Bon, par contre, il fait pas froid, ouais, du coup, j'ai envie de me balader, moi. On avait vu qu'il y avait un cadavre là-haut, je crois aussi. On peut récupérer plein de massettes. Aussi. Comme ça, on emmagasine un petit tas de massettes. Ça peut être pas mal. On va voir, là, il y a le cerf devant nous. On pourrait même pêcher. Si on peut pêcher, est-ce qu'il fait froid ou pas quand on est à l'intérieur? J'imagine que oui, mais je suis pas bien sûr. Ouais, il fait quand même froid. On va récupérer quelques massettes. Peut-être... Ah, les lapins, on pourrait prendre les lapins. On pourrait faire ça. Une vraie réserve en fait. On va attendre le jour hein, pour qu'on bouge. Je sais que là on a un beau temps, enfin il fait pas froid, mais ouais, je préfère quand même y aller deux jours. Sinon c'est pas très très intéressant de se déplacer la nuit. On va pas voir grand chose. Je vais voir si je peux pas avoir les lapins avec les pierres. Ça m'embête un peu le coup des flèches. Il n'y en a plus beaucoup. Oh putain. J'ai plus l'habitude des pierres par contre. Flèche. Il est où l'autre? Je vois rien, j'entends rien. Oui, c'est pas très très agréable hein, quand même de se balader la nuit. On voit pas grand chose. Même pour moi, c'est pas fun. Après, on peut le faire à la torche et tout ça, mais bon, ce serait un peu gavant. Si on avait une lampe tempête à la limite, peut-être. Ah non, c'est passé au-dessus de lui. Il n'y en a plus. On va retenter encore une fois, puis après on rentre. Kobe! Yeah! Très bien. Eh oui. Rip Kobe. Je suis sûr qu'il n'y a personne qui sait de quoi je parle. Enfin, c'est pas grave. C'est un joueur de basket. Donc, on rentre. On fait les lapins. Et on dort. Comme ça, on sera le matin et on sera en pleine forme le matin. Ça aussi. Hop. Donc on a deux... Comme ça on aura de la peau, des boyaux en plus, un peu de viande.
Même si c'est pas très trop un problème maintenant de nos jours. Ah, très bien. Alors, on va mettre le boyau là. Choix, tout est choix. Je vois pas grand chose honnêtement. Le bois à poser. Après, est-ce qu'on va se déplacer avec du bois? Je pense pas, parce que sinon ça va nous prendre beaucoup de place. Très bien. Et on va dormir le reste de la nuit. Boyau ici. Peau ici. Viande. Attends. Ok. Encore une tempête. Mais on a des passages quand même avec pas beaucoup de froid et tout. Ça se passe bien. Ça va, ça se passe bien. Là on a pas mal de massettes. On a des cordes à prendre encore. Hein, donc on va essayer d'y aller doucement hein, pour le poids. On va pas prendre genre 50 000 massettes ou des trucs comme ça, parce que sinon ça va être la merde. On va déposer les massettes. Ça fait combien? C'est 0,50 les 10? Ouais, on va les laisser. On va les prendre. Très bien. Et donc on va dormir, et on va partir. En théorie, tout devrait être bon. Tout devrait être nickel. Faut qu'on prenne nos affaires aussi. Bah tiens, on va les prendre maintenant, nos affaires. Donc ça, notre sac de couchage, le métal, le pied de biche, parce que... Pied de biche, pourquoi le pied de biche? Pourquoi le pied de biche? Est-ce qu'on en a vraiment besoin du pied de biche? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Dans le doute. Ah oui, il y a ça aussi. Ah, très bien. Et on est à 37. On est... Pourquoi on est aussi léger? J'ai tout pris là. Bon, après, c'est vrai qu'on a un peu moins de flèches. On a un tout petit peu moins de flèches, j'avoue. Non, c'est bon, on est bien. Attends, t'es sûr, j'oublie rien là? Non, on est bien. Non, on est nickel, on est nickel. Allez, on y va. On va dormir. Et on va se balader. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de brouillard, rien. Mais bon, on sait jamais. On va voir. Avant de partir, on pourrait faire chauffer une tisane et avoir le bonus de chaleur. Moins 28 degrés. Qu'est-ce qu'on fait? On part maintenant ou on attend? Okay, très bien. Maintenant il fait un peu plus... Il y a un peu plus de lumière donc... Moins 27. Je vais voir si on peut pas attendre un peu. Après, je voudrais pas partir la nuit non plus. Si on a des caisses à faire. On va voir. On va essayer de coudre un peu. Laisser un tout petit peu de temps passer. Voir si ça s'améliore.
Ça, il faudrait vraiment le refaire. Ah oui, il faut... Quoi ce bruit? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui marche. Près de à côté de nous. On va fabriquer un. On pourrait faire cuire et prendre une torche en fait. Ça va nous faire utiliser du bois et des allumettes. Genre faire un thé et prendre des torches. 6. Ça a l'air de s'améliorer, mais ça prend beaucoup de temps en fait pour s'améliorer. Ah, ça m'embête, je sais pas. Je sais pas quoi faire. On a combien d'allumettes? 7 et 8. Non, on va pas le faire. On va prendre du bois par contre. C'est comme ça, on... Genre un tout petit peu de bois. Si jamais on doit se poser quelque part, on fait du feu. Ok, c'est parti. On y va. On va prendre des steaks sur nous et on y va. On va prendre au moins 4 steaks. 1, 2, 3, 4. On va voir un peu. Ouais. Ok, on y va. J'hésite. Ça se sent ou pas que j'hésite à mort? Mais bon, faut bien y aller à un moment. Let's go. C'est parti. Le temps, ça va se bonifie un peu. Notre sac de couchage et tout, donc ça va. Par contre, il est presque midi. Enfin, il a 10 heures à peu près. On va se permettre de sprinter un peu. On a bien le sac de couchage et tout. Yes. On a les scies et tout. Donc c'est ça. Là, je perds du temps pour rien. On va arrêter de faire ça. C'est débile. Donc, pas loin, on devrait pouvoir déjà trouver, je crois, quelques caisses. Je crois bien. Genre une ou deux. Dans cette direction-là. Il était bien sur ma gauche. Ok, il est là. Un peu embêtant. Je pensais pas tomber sur un loup aussi rapidement en fait. On a une grotte là. On a une grotte là? Point d'interrogation. On va voir ça. Ouais, ok, c'est bien en fait. Ah bah il venait sûrement de là, l'ours. Ok, on va se réchauffer à l'intérieur. Bon, par contre c'est ce coin de loup là qui me fait chier. Ouh, c'est bien une grotte d'ours ça. Est-ce que tu vas continuer ou pas? Plein de têtes.
qui est marrant, c'est que on peut prendre sa viande directement à l'intérieur. C'est pas mal ça, non? On pourrait prendre sa viande directement. Ah, j'ai pas tagué la maison, c'est pas grave. Intéressant, on pourrait faire complètement une pause ici en fait. Attendez, est-ce qu'on a récupéré des trucs? Ah, j'en ai pas assez. J'en ai pas assez. Ben moi je serais pas contre à chaque fois de faire un petit feu en fait. Et genre prendre une tisane, la faire chauffer et tout ça pour avoir le bonus. Mais bon, si on commence à faire ça toutes les 5 minutes, les allumettes elles vont pas durer longtemps non plus. Donc c'est un peu un problème. Alors après, si tu me dis qu'il y a assez de lumière, je vais pas te croire. Voilà, j'ai bien fait de pas te croire. Mais bon, voilà. Bon, déjà, on a un ours, un loup qui est prêt, là. C'est pas mal. On pourrait dormir, là. On va prendre ça. Non, on va aller voir les caisses. Elles devraient pas être très loin. Je crois. Et après, on reviendra là pour se mettre à l'abri. Je crois qu'elles sont dans cette direction. J'ai cru voir un cerf pas loin. Ah, il y a des lapins. J'ai cru voir un cerf. Parce que, en fait, moi, je voulais aller sur le cerf. Comme ça, bon, bah, le loup va sur le cerf. Puis après, on tue le loup. Qui a tué le cerf. Mais après, j'ai vu la grotte. Donc, j'ai préféré grotte. Plein d'arbres, faire attention. C'est un élan. C'est un cerf et un élan. Merde. Et là, c'est un loup. Par contre, j'ai vu qu'il allait dans ma direction. Là-bas, il y a du bois à récupérer. Il y a deux élans. Deux cerfs. Un élan. Bon, on va camper dans la grotte. On va camper dans la grotte et on va se faire lui, je pense. Ah, là, il y a une caisse. Je crois qu'il y en a deux de caisses, je suis pas sûr. Ouais, je sais, je sais. Ok. Allez, dépêche-toi. Ça fait un peu peur là. Ok, très bien. Sa mère. Il m'a suivi à la trace, ce con. Pour combattre. Je peux pas te foncer dessus l'élan. On va se. Je regarde s'il n'y a pas une autre caisse. On a fait cette caisse. Bon, tisane et du café, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Oh, il y a un cerf qui a été tué par un loup là-bas. Donc il y a deux loups en fait. D'accord. Qu'une caisse, il n'y a qu'une caisse. Ah, peut-être là-bas. On va voir si je peux pas le semer en descendant vite. C'est embêtant. Je sais pas. On a beaucoup de bestioles en fait. On a des élans, des loups. Ça, c'est très très embêtant. Et on a quand même peu de flèches, les flèches descendent assez vite, donc va falloir faire attention. Mais ça va être notre camp ici, on va devoir rester là. On va devoir y rester. Parce que je veux faire toutes les caisses et je veux me faire l'élan aussi. Honnêtement, je veux me faire l'élan. Pour la peau. Uh-huh.
Est-ce qu'on peut se mettre genre en hauteur? Stresse un peu en fait le loup. Je sais pas s'il est toujours sur nos basques ou pas. Très bien. Donc on a du café et du thé. Ça c'est bien ça, c'est bien. On n'avait pas de thé. J'en avais parlé qu'on n'avait jamais trouvé de thé je crois depuis le début. Donc c'est sympathique. Sympathique, sympathique. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un camp ici. Ah, on va y aller vraiment petit à petit dans cet endroit. Quoi. On va faire ça. Ouais, on va y aller vraiment petit à petit. Bon, je voudrais bien aller combattre les lances. Je crois qu'on va devoir faire le vide avec les deux loups, déjà. On va devoir les vider, là, les loups. Ou alors les, ou les faire partir, ou les tuer. Je pense qu'on va devoir les tuer. Excusez-moi, on peut arrêter la musique, là? La musique dépressive? Honnêtement, y a pas de problème. Y a pas de problème. Merci, merci. Tout va bien, tout va bien. Non mais... Alors... Je sais pas si on va le combattre maintenant, le loup ou pas. L'élan ou pas. Je dirais d'abord de faire les ours. Les loups, pardon. Putain, j'arrive. Vive les noms des animaux. Hein. Et les lapins. Ça dépend en fait sur qui on tombe en premier. Il y en a un qui mange. Il est là. Ok, on va s'approcher doucement. On va lui mettre une flèche directement dans pleine tête. Lui, il a pas peur. Que je voulais qu'il se passe. Je crois qu'il a eu peur de notre sac à dos. Pas de notre sac à dos, notre sac de couchage. On va prendre du bois parce qu'on va sûrement avoir besoin de feu. On a plein de boulot là. Faire attention parce qu'il y a toujours, il y a deux loups. Hein. Faudrait peut-être pas transporter notre sac à dos. Notre sac de couchage. Enfin après ça nous protège, oui et non, dans un sens c'est bien aussi, mais. Évidemment. Attends, je voudrais bien que t'ailles sur le cerf en fait. Ça nous ferait une pierre de coup. La merde. Non, va de l'autre côté toi. Merde, il est où? Ouh, la vache.
Ok, ok, tu veux la jouer comme ça. Il y a deux loups ici. Alors attends, est-ce qu'on peut... C'est pas un lapin, ah, c'est pas un lapin ça. Je croyais que c'était un lapin. Ouais, il va falloir qu'on se fasse les deux loups là. On va essayer de faire encore un peu la même chose. Parce que du coup il a qu'un seul endroit. Il sera bien en ligne droite. C'est encore Uber Eats hein, qui va nous... Attends. Tu nous as lâché du coup. Bon. On va se réchauffer. Si tu nous as lâché. On va voir un peu, on va faire déjà le tri de ce qu'on a récupéré. Donc c'est bien parce que la carcasse elle est... Elle est à l'intérieur de la... De la... De la zone. De la chaleur en fait. Donc ça... On va laisser le bois par terre, très bien. Voilà, ça c'est bien. J'ai envie de me réchauffer, mais vite. Je crois qu'on va peut-être dormir une heure. Ça nous permettra de récupérer un peu de vie aussi. Parce que ça me stresse un peu, en fait. Plus on met du temps à... Ah, putain. Ok. Plus on met du temps à les combattre et à les tuer, et plus on perd en vie. Parce qu'il fait quand même très froid dehors. Donc j'ai envie de... On soit à 100% en chaleur. Okay. Ah, et du coup, comme ça, on sera déjà au maximum en chaleur. Mais surtout, on récupère un peu de vie déjà. Parce qu'on arrive un peu trop proche des 50% pour moi, je trouve. Et j'ai un peu peur que on se fasse one shot. Voilà, là, c'est déjà beaucoup mieux quand même. Allez. Alors, il est où ? On va peut-être pas prendre la dune. Il a eu peur de nos vêtements cette fois. Aïe 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 aïe. Mais t'es... Mais vous êtes des loups, arrêtez de faire les chochottes. Vas-y viens, 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 viens. Je te défonce. Vas-y, je te défonce. Ah, très bien. Il est où ton pote? Je charge la flèche. Vas-y, viens, 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 viens. Je te défonce, ta race. Vas-y, viens, 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 viens. Je te mets ta misère, vas-y. Vas-y, tu sais pas avec qui t'as affaire. Tiens! Voilà, c'est bon. Excusez-moi, des fois je m'emporte un peu. Des fois je m'emporte un peu. Bon, ça c'est fait, ça nous a coûté une flèche quand même. C'est relou. Maintenant, le plat principal. Maintenant, le plat principal. Bon, niveau nourriture, hein, on est calé. On est calé. Après, je suis en train de me dire, pourquoi on tuerait l'élan ? Attendez, pourquoi on tuerait l'élan? Ah. Si on n'a pas de vêtements en élan. 3, 5. Un sac à dos, mais sac à dos pour... Faut du cuir séché. Ah. Bah, c'est bien pour la nourriture. Oui. Ça, oui, ça, je peux pas le nier. Attendez, on va se mettre là. Le conteneur de fret.
peux pas nier que c'est bien pour... Ça va, il est très loin, là. C'est lui, là, où ça insère, ça. Non, c'est lui. Je peux pas nier que c'est bien pour la nourriture, ça va faire les meilleurs steaks qui soient. Mais c'est vrai que la peau, on en a pas besoin, non. Je sais pas, dans ma tête, on en avait besoin. Mais en fait, non. Bon, il y a qu'un seul conteneur. Je pensais qu'il y en avait plusieurs. Mais... Donc, quel seul conteneur ici. Après, je voudrais bien l'abattre parce que c'est la chasse, quoi. Un peu le thème de la chasse, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas vraiment de bon endroit pour le faire. Pas qu'il me fonce dessus aussi parce que... Ouais non, au final non, ça sert à rien de le faire. Parce que... Non, le pire ça va être les flèches en fait. Si on le one-shot pas... Parce qu'on en a déjà one shot, hein. Mais si on le one shot pas, bah c'est. Bah ouais, voilà quoi. On va perdre des flèches pour rien, enfin on va en abîmer surtout pour rien. Parce qu'on n'a pas besoin de sa peau, on n'a pas besoin vraiment de sa nourriture. On a besoin de rien. Donc ouais. Bon bah. Pas de combat d'élan. Si on n'était pas limité en flèche, je dirais oui. Mais là, non. Là, j'ai pas envie de faire ça. Bon. Et après, je sais pas par où on passe, par contre. Je crois qu'on peut passer par là. La descente, là. Je crois qu'on peut. Ça aussi. On peut couper ça. 1h18 avec la hache. C'est pas mal 1h18 avec la hache. C'est pas si mal. Très bien. Voilà. Surtout ça que je voulais. Donc on pourrait faire un feu. On pourrait récupérer la viande aussi. D'abord je vais déposer ça là. Voilà, très bien. Du coup ça c'est que de l'ours. Hein. 1100 500 1100. On va prendre ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cuire le loup. On va faire cuire le loup. Comme ça, ça nous évitera de utiliser les morceaux de viande d'ours. Je crois. Ah oui, une chose que je voulais faire aussi avant qu'on parte. Enfin, que j'oublie en fait. Matériaux. Très bien. Par contre, il fait vraiment pas très froid, j'ai vu dehors. On va peut-être pouvoir ressortir encore. Et... Ouais, mais ressortir, pourquoi faire ? C'est ça la question. Ressortir, pourquoi faire? Faudrait qu'on dorme, qu'on se repose. La nourriture, à la limite, ça passe. Enfin, on n'en a pas vraiment besoin. Ouais. Non, on va passer la nuit ici, de toute façon. Donc, autant faire du feu et tout. Autant faire du feu. C'est un peu embêtant à chaque fois d'utiliser. On va faire le feu là. À côté de l'ours. Parfait. Ok. Donc ce qu'on va faire là, parce que je crois qu'on va arriver à la fin de notre épisode. Donc on a un peu avancé, on a déjà bon premier donc première cargaison de fret. On a récupéré une boîte de thé et une boîte de café. Honnêtement, c'est quand même des objets très rares pour nous.
Donc je suis pas très triste ou quoi que ce soit. Non, je pense que c'est quand même très potable d'avoir récupéré ça. Il me fait chier ce rocher. Je pense que c'est pas mal. Ah, je pense que c'est bien. Honnêtement, je pense que c'est bien. Où est-ce qu'on pourrait aller visiter? Genre à droite, là, il y a quoi? Genre à droite, on retombe sur le lac. Non, le lac, il est fini maintenant. Il doit être quoi, la forêt? Il y a un passage, non? Ah si, il y a un passage. Où est-ce que ça mène, ça? Là, on est au-dessus de la grotte. Je me demande si on peut avoir la chaleur du feu par le sol. Des fois, on peut faire des choses comme ça dans le jeu. Ça serait marrant. Où est-ce que ça monte? Ça monte tout en haut? Ah, on pourrait dessiner? Où est-ce que ça va? Ah, c'est pas mal. Si on arrive à monter, on va dessiner quand on est vraiment au plus haut. On peut sprinter un peu aussi. Pic aux échos est. Oh, bonjour. Okay. Ok, tout ça pour ça, c'est bien, je suis content. Oh, je voulais juste me mettre à l'abri, moi, en fait, du vent. Oh, photo instantanée. Ça tue. Aujourd'hui, j'ai trouvé un endroit très spécial. Ce n'est pas le pic le plus élevé du côté du mont. On va lire ça après. On va lire ça après. Ok. Rappelez-moi de qu'on le lise. Je vais juste me mettre là parce que si... on va avoir froid en fait. Ah, regardez-moi ça. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Attends, on a bien fait. Mais je savais même pas qu'il y avait un cadavre et tout ça ici. Moi, j'ai vu un chemin. Je me suis dit, bon, bah, c'est un chemin, quoi. Ah, c'est cool. Ok, on descend. Alors on descend un peu vite parce que... Il faut quand même qu'on garde la vie au maximum, comme j'ai dit. Oh, la chance! Oh, mais c'était complètement aléatoire de trouver cette photo, sérieusement. C'est abusé. C'est complètement abusé. On peut vraiment passer genre à 5 cm de la photo sans jamais la trouver, en fait. Je sais pas si j'aime bien ce système. Si vraiment on veut trouver les photos, c'est une catastrophe, honnêtement. C'est vraiment une catastrophe. On peut passer des heures à tourner en rond. Enfin, honnêtement, c'est pas des trucs à faire en intro. C'est vraiment pas des choses à faire en intro. Encore des loups. Ça avait l'air de venir de là-bas. Non, on va à gauche de toute façon. Non, je voulais couper un peu le bois, mais... Je pensais pas qu'on avait mis autant de temps. Je fais à la main pour éviter d'utiliser les outils. Très bien. Est-ce qu'on devrait faire de l'eau ou pas? Peut-être. On est au moins 2 litres sur nous. Alors attendez, nous on a trouvé une photo. C'est où les photos instantanées? Photo instantanée. Mon Timberwolf. Ouais, c'est celle-là. Alors aujourd'hui j'ai trouvé un endroit très spécial. Ce n'est pas le pic le plus élevé à côté du Mont Timberwolf, mais c'est peut-être là qu'on a la meilleure vue du lac de cristal. C'est à couper le... Oh, le lac de cristal. Du coup, c'est pas très loin de chez nous. Vu du Mont Timberwolf. Lac de cristal, il est là. Je sais que là, on a... Ça, c'est le chemin. Le chemin du lac, là, la petite rivière pour où on a poursuivi l'ours fou. Donc, je pense qu'il faut remonter comme ça. Et on arriverait là.
Ouais, je sais pas trop. Ou alors il faut faire tout le tour. Parce que le Mount Timberwall, c'est un peu ça qui est embêtant. C'est que des fois il faut faire tout le tour, des fois non. Ouais, non, c'est pas mal. C'est cool. C'est bien cool. Ah, on peut aller prendre on peut aller prendre des steaks à l'extérieur, j'avais oublié. Si on a tué deux loups à l'extérieur. J'étais en train de me dire, attends, il manque quand même de la viande là, non? Et on est assez de cons là. Que la scie, on va l'utiliser. Donc c'est 5%. Ah oui, il faut que je regarde. On a ouvert un conteneur de fret, donc on a ouvert les deux portes. Faut qu'on regarde. Je crois qu'elle prend un peu n'importe quoi comme scie. C'est-à-dire qu'elle va pas prendre la scie avec le moins de pourcentage. Je crois qu'elle va intervertir en fait les deux. Je crois qu'elle va même prendre celle qui a le plus de pourcentage. Et ça, c'est vraiment un problème par là. Ok, très bien. 49 minutes, 2 minutes. Alors, faites voir un peu les scies dans quel état. Ouais, elle intervertit en fait, cette idiote. Alors ça, c'est un problème par contre. Enfin, quoique, dans un sens, non. Ça nous permet de pas avoir à les réparer. Et de durer le plus longtemps possible. Ouais, je sais pas. Bon, enfin, de toute façon, on va faire avec, quoi. C'est pas comme si on pouvait le choisir. Enfin, après, oui, je peux jeter, en fait, à chaque fois. Je peux évidemment jeter le... Une scie, comme ça elle utilise toujours la même. Par contre j'ai pas envie d'utiliser le gros bois. Recule pas dans le feu s'il te plaît. Ça serait un peu con de faire ça. Très bien. On a ça à préparer, on en a 7, ça c'est bien. On a le café et tout ça, je sais pas si on va le garder ou pas. Le thé aussi. Je pense qu'on va les garder de ce côté-là. Yo. Ah non. Yeah. 26%. Là, c'était 77. Je sais pas s'ils vont perdre des pourcentages comme ça. S'améliore un peu. Bon ben encore une fois un épisode qui se passe plus ou moins bien. On a tué deux loups, on a trouvé un élan mais on va pas le tuer, ça sert à rien. Pleine forme, enfin la chaud. Autant aller récupérer un petit steak en plus. S'il faisait un peu plus chaud, je couperais ce bois là honnêtement. J'ai cru entendre des pas.
Très bien. Ça va, comment on va t'appeler? Opportuniste. On va t'appeler opportuniste. Parce que toi t'es rentré dans la grotte et tout ça, tu t'es cru à Malibu. On va t'appeler opportuniste. Ça va bien, opportuniste? Au final c'est mal passé pour toi, hein. C'est con, hein. T'as tenté, au moins t'as tenté. On peut te donner une petite médaille pour le fait que tu as tenté, t'as eu une opportunité de m'attaquer dans une grotte. T'as tenté. Bon, c'est pas trop bien fini. Enfin, surtout pour toi, moi ça va. Mais bon, ça arrive. Hein. Des fois on gagne, des fois on gagne pas. Mais tu as tenté. Au moins, il n'y a pas de regret. Tu vois. C'est bien. Parce que vivre avec des regrets, honnêtement, c'est pas fun. C'est pas cool. Donc, mieux vaut essayer et rater. Hein. Mieux vaut essayer et échouer. Comme ça, tu t'en tires une leçon et tout. C'est bien. Tu vois, bon, toi, ta leçon, c'est de... Enfin, ouais, toi, t'en tires pas trop de leçons. Enfin, oui, c'est la mort, c'est con. J'ai envie de dire, la mort, c'est con. C'est la leçon que t'en tires, voilà. C'est con d'être mort. Mais des fois, c'est chouette. Voilà. Le premier Batman. T'es mort, mais c'est chouette. On va faire ça. Est-ce qu'on prend la peau? On a encore un truc. Non, on a rien à cuire. Je pense qu'on va dormir. Je pense que ça va être le temps de dormir. Est-ce que ça a perdu en pourcentage? Ça me stresse, ça. On est à 26 encore. On va laisser ça là. On n'en a pas besoin. De toute façon, on a encore des choses sur nous. On a ça. Et puis on prend le café et tout. Il y a juste l'eau. On en fait un peu plus. Très bien. Ce qu'on peut faire, c'est... Après, je pourrais faire une tisane et du café, mais bon, ça servira à quoi de boire maintenant? On n'a pas beaucoup de vie à récupérer, on n'est pas dans la panique. Après, j'ai un peu peur de la chaleur. Alors, attendez, il faudrait s'éloigner du feu. Ok, là on est le... Attends, là on est à l'extérieur. Donc moins 7. Là on est à l'intérieur, mais on n'est pas au feu. Donc moins 20 et on est à 6 degrés. Donc ça va nous faire plus 10. Ouais, on a une grosse marge même sans le feu. On a une marge quand même. Ça va. On peut dormir sereinement. On a 2 litres d'eau, on a de renouveau 2 litres d'eau, on a du bois de côté. On va prendre ça. Charbon, je vois que dalle, pardon, à l'intérieur. Je pensais pas qu'il ferait aussi sombre. Je vois rien. Ok, on est bon. Ok, là on est assis sur le lit. Sur le sac. Donc ça c'est le métal, ça c'est notre outil. Là on a tout ce qu'on relaisse. Là on a le café, on a tout, on a la viande. On va se goinfrer avant de partir. Hein. On va se goinfrer de viande et tout. Et après, on reprend donc nos steaks de... d'ours. Les steaks d'ours, ce sera les derniers qu'on prend. Parce que comme j'ai dit, c'est vraiment le meilleur qu'on ait pour le moment. 1 kilo, 1100 et quelques de calories. Non, arrête. C'est ça que je vais faire. Donc ça, on le garde. Bon, bah c'est bon. Allez, on dort. Dizaine d'heures, tranquille. On avance petit à petit.
On a trouvé, on a bien avancé parce qu'on a trouvé la photographe, honnêtement, c'était vraiment même pas prévu. Donc vraiment cool, et on va essayer de la faire aussi avant de partir. Donc, et là, le fait d'être monté ici, on a vraiment découvert une grosse zone, donc c'est cool. Donc nous, quand on va sortir, on va aller par là, je crois. Attendez, si on sort comme ça, on va à gauche. Donc c'est à droite sur la map. On va aller dans cette direction-là. Et en théorie, on devrait pouvoir continuer à monter, en fait, le mont, voilà, tout simplement. Allez, merci d'avoir regardé. Passez un très bon week-end. Bonne nuit, ciao.